Un autre invité dans ce trésor, il s'agit de l'artiste musicien Oskimo, promoteur de Oskimo Tour, la caravane de lutte contre la drogue en milieu scolaire. Il est là pour nous entretenir sur la 17e édition débutée le 2 mars dernier. Bienvenue Oskimo. Merci, mon frère. Qu'est-ce qui a prévalu à ce challenge relatif à la lutte contre la drogue Oskimo Tour et pourquoi le milieu scolaire? Merci, mon frère, et bonjour. Et puis voilà, pour dire la drogue, je l'ai connue. Donc, pour cela, en tant qu'artiste, à un certain moment de ma carrière, je me suis dit, bon, il fallait quand même qu'on passe des messages de sensibilisation à la jeunesse, parce que la drogue freine régulièrement la progression des jeunes, que ce soit à l'école, au football, à tous les niveaux, la drogue freine vraiment la réussite de la jeunesse. Donc c'est pour cette raison que nous avons initié cette caravane de sensibilisation dénommée Oskimo Tour, jeunes propres sans drogue. Et quel est l'état des lieux, faites-vous, de la drogue dans ce milieu? Est-ce que vous pensez avoir apporté quelque chose dans cette lutte-là? Oui, bien sûr, parce que 17 ans, ce n'est pas 17 jours. Et en 17 ans, on a échangé beaucoup avec des jeunes. On a essayé de ramener les jeunes à la maison. On a essayé d'amener les jeunes à des certains centres de désintoxication. Et actuellement, pour même ce qui est actuellement, il y a l'artiste Widia que tout le monde connaît bien, qui était plongé. Actuellement, nous avons fait un boulot très costaud. Depuis 8 à 9 mois, il était dans un centre. Il a retrouvé, comment on appelle ça, son esprit en train d'avancer. Donc, pour dire, en 17 ans, Oskimo Tour, on a essayé de faire ce qu'on peut faire. Maintenant, aujourd'hui, on essaye de vraiment sensibiliser les jeunes qui ne sont pas encore tombés dans la drogue, de vraiment faire un effort, ne pas s'avancer sur ce terrain. Voilà. Parce que avec l'insécurité que notre pays vit depuis ces dernières années, la consommation de la drogue a un lien fort avec ces histoires de l'insécurité. Donc nous, on essaye maximum de parler de la violence en milieu scolaire à tous les niveaux. Voilà. D'accord. Avant tout, vous êtes un artiste musicien. Est-ce que cette activité n'a pas un peu plombé votre carrière d'artiste musicien? Non, le contraire, ça a essayé encore de lancer ma carrière parce que, étant un artiste, généralement, on pense que c'est les artistes qui sont les premiers à consommer la drogue. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes dans ce genre de trucs. Mais ma carrière, oui, j'ai fait pas mal de. Le dernier album en date, c'est en 2019. Voilà, on essaye de travailler pour essayer d'avancer. Là, je suis en studio pour, comment on appelle ça, un autre album. D'ici là, peut-être même en featuring avec Widiak pour essayer de le remettre sur les rails. Voilà, et la caravane aussi continue. C'est vrai que nous avons commencé le 2 mars et nous avons fait à Samba. Là, le 17, on doit être encore à Samba dans un lycée appelé Lisa. Et puis le 20, on sera à Zabré pour la grande soirée de non à la drogue, à la jeunesse des Zabré. Donc on profite de vraiment ce 13h, inviter tous les habitants des Zabré pour attendre Oskimo Tour le 20 avril à partir de 17h, place de la Nation avec les jeunes scolaires. Merci à vous, l'artiste et promoteur de Oskimo Tour.